Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 3 de Siphon Filter, on continue. Vous avez échappé à une nouvelle attaque d'Archer en sautant sur le toit d'un train de marchandises de United Pacific. Il devrait vous amener à moins de 6 km de l'épave du C-130. Vous devez atteindre la locomotive afin de pouvoir stopper le train à l'approche du site du crash. Archer utilise son Black Crow UH-60 pour déployer une équipe de nettoyeurs de l'agence. Il préférera détruire le train plutôt que de vous laisser quitter la montagne en vie. Éliminez tous les obstacles qui se mettront en travers de votre chemin. Gay, tu es là ? Leon, c'est pas trop tôt. Comment ça va ? Ça pourrait aller mieux. T'as mis son niveau pareil, je m'en rappelle quoi. Ok, je suis presque arrivé. Une fois que j'aurai les disques, on pourra négocier avec l'agence pour récupérer le vaccin. À tout de suite. Je vois qu'il y a une caisse là en bas du train là. Bon ça va, c'est pas timé apparemment. Descendez-le. Pourquoi il tire pas ce con? J'appuie sur carré, ça tire pas. Oui, parce que pour tirer c'est carré les mecs, hein. C'est pas la gâchette. Oh mais il tire pas, mais c'est quoi ces bugs de... J'appuie sur carré, il tire pas ce con là. Mais c'est quand même fou comment je me rappelle des niveaux alors que j'ai joué à ce jeu il y a 20 ans quoi. Normalement, ce niveau-là, il est court. Il a un gilet pas mal, l'autre à côté aussi, là. J'ai déjà presque plus de balles. Il y avait quand même des putains de niveaux dans ce jeu. Le niveau du pont, le niveau du train.
déjà fini quoi. Non, abruti, non. Le train de la mort. Niveau fini, en 5 minutes. T'es rapide. Voilà, du coup, cinquième niveau fini. On passe au sixième, allez hop. Feu! Mais nous avons encore des agents dans ce train! On s'en fout! Logan ne doit pas quitter cette montagne, nous devons atteindre le site du crash au plus vite! Faites-le sauter! Une citerne de carburant a été détruite par un commando de l'agence et le train a été coupé en deux. Vous avez réussi à survivre à l'explosion, mais votre situation ne s'est guère améliorée. Archer a fait sauter un pont à 15 km de la position actuelle du train. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous devez atteindre la locomotive et stopper le train avant qu'il arrive au pont. Putain, on a 8 minutes. Parce que vous êtes bande d'enculés. Putain, faut se grouiller là. Allez, je me casse, salut les nazes. Des fois le perso il s'arrête de tirer tout seul alors que je reste appuyé sur carré, je comprends pas. Faire boum. Oh non, c'est dégueulasse. On a que 5 cartouches, on va pas aller loin. Quand tu veux, hein. C'est quand tu veux que tu meurs, enculé. Non mais putain. Ils
C'est une blague, mais c'est... Bon. Voilà. T'as par contre, niveau munitions. Liam, je suis dans la loco, mais le train ne s'arrêtera jamais à temps. On passe au plan B. Bon, je suis en position. Tu es prêt? Pas vraiment le choix. Quoi, il va se passer quoi là? Il va y... On va sauter. Ça, c'est impossible à faire en vrai, je vous le dis. Le train inarrêtable. Attends, on a fait 2 niveaux en 10 minutes. 10 niveaux. 2 niveaux en 10 minutes. L'agence a retrouvé l'épave avant vous, et les hommes d'Archer sont déjà à la recherche des disques de données. Vous devez trouver les disques avant eux. Heureusement, ils ne s'attendront pas à ce que vous arrivez par le ciel, et vous pourrez les surprendre. Avant le crash, la caisse contenait des disques a été entreposée à l'arrière de l'appareil. Elle y est certainement encore. Récupérez-la le plus vite possible, et retrouvez Lian, dans la clairière, à 2 km au sud. Attention là-haut, c'est Logan, envoyez des renforts. Logan est là. Bonsoir. Attends, on dirait le dernier niveau du premier CD. Démonter la gueule. Incroyable niveau quand même. C'est magnifique. Ça va être un petit peu temps d'axe là.
mais c'est tendu là. Si je peux trouver un gilet pare-balles, ça m'arrangerait. Tiens toi. Merci. La musique. T'as... Le M79. Bon, où est ce truc de merde? Oh putain, c'est là. Logan, c'est ça que tu cherches? Archer. Ils m'ont allumé la gueule. Putain, les mecs, ils veulent vraiment me viser la gueule, quoi. Mais c'est là où on va buter Archer déjà. Il est au sud de votre position. Go. Bah ouais, attendez, les mecs, ils ont tous des gilets pare-balles quoi. Quoi, ça l'a pas touché là? Putain, c'est entretué quoi. Coincez-le. Sans foirer. Putain mais coincez-le, coincez-le. Les mecs ils veulent ma mort. Thank you.
Ok. Crête sud. Ouh là là. Faut vraiment bien placer ton truc quoi. On gère bien là. Et oui, mais c'est ici le niveau où Archer il est. Et je crois que c'est là en plus. Et oui, c'est là. Faut essayer de lui viser la tête en plus. Ça c'est vraiment le truc qui est bien hardcore. Mais on peut pas zoomer avec ce truc là. Ah si, on peut zoomer, d'accord, ok. Ça va être galère. Hein. J'ai l'impression que le sniper c'est pas trop ça quoi. Oh, je l'ai eu. Magnifique. Adieu Archer. Taxi monsieur. J'ai les disques. Allons chercher Chance et les autres. Teresa a perdu le contact radio il y a une heure. Je crains que personne d'autre s'en soit sorti, Gabe. Filons d'ici avant qu'on ne te perde aussi. Dans combien de temps aurons-nous Liam Singh? Cela prendra du temps, mais nous obtiendrons l'information dont nous avons besoin. Je dois partir en Chine aujourd'hui. Il voulait que je vous rappelle que Xiao n'est pas un homme patient. Toujours cette histoire avec Gregor. Si les gens s'en étaient occupés, ce serait déjà terminé. Ah oui, bien sûr. On a vu ce que ça a donné avec Liang Xing. Après tout, qui aurait pu penser qu'une femme malade pourrait s'échapper d'une base militaire bourrée d'agents surentraînés? Je vous aurais tous fait fusiller et remplacer par de vrais... Mais je suis toujours là. Le problème, Mara, c'est que vous me prenez pour l'un de ces stupides terroristes européens qui écoutent les conneries que vous racontez. Je perds mon temps avec vous. Ça suffit comme ça. Archer est mort. Logan ? Envolé. Rassemblez une équipe et foncez au centre d'exposition Farcom. La NSA a déjà une équipe sur place. Assurez-vous que Fagan ne disposait pas de disque de sauvegarde dans un coin. J'y vais. Vous ne l'avez pas ? Non. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour finir de traiter le plasma dont nous avons besoin. Vous devez... Vous aurez votre plasma, docteur. Maintenant, remettez-vous au travail. Le FBI est à la recherche de ces fugitifs soupçonnés de plusieurs crimes terroristes s'étant produits aux États-Unis ces dernières semaines. Bah oui, bien sûr. Il laisse supposer qu'il serait responsable de l'attentat dans le métro de Washington la semaine dernière, ainsi que de l'attaque d'un transport du CBDC au-dessus du Colorado la nuit dernière. C'est pas la peine d'aller voir les autorités. L'agence a infiltré toutes les institutions gouvernementales. Nous savions que nous étions seuls, de toute façon. Vous devriez leur faire un procès. Ces photos de vous étaient vraiment moches. Du nouveau ? Non, ce sont des codes de cryptage de troisième génération. Liane ? Il me faudrait au moins une semaine pour craquer ces codes. Et il va me falloir les clés, sinon on ne pourra pas accéder aux données avant... Tu te sens pas mieux?
Je vais bien. Le sérum que je t'ai administré ne fera que ralentir les effets du virus. Il ne l'arrêtera pas. Combien de temps avons-nous ? Aucune idée. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Je ne suis pas médecin, mais les analyses de sang que je viens de faire sont totalement incohérentes. Bon, ok. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Le centre d'exposition Farcom. Holman a dit que l'agence s'apprêtait à rafler tous les fichiers là-bas. Ça se tient. Si Fagan était assez malin pour effectuer une sauvegarde complète des fichiers du projet Siphonfilter, il a dû planquer les codes de décryptage dans un autre endroit. Ils doivent être quelque part là-bas. Tu connais quelqu'un de sûr en Virginie ? Lawrence Mudgeri. Il s'occupe du labo d'une mort. J'en suis pas encore là. Non, c'est une couverture. Il dirige un labo médical en freelance. Et il tond sa pelouse tous les dimanches. Tu lui fais confiance ? Aucun problème. Il a été pendant 10 ans victime de l'apartheid en Afrique du Sud. Je l'ai aidé à venir aux États-Unis. C'est lui qui a fabriqué le sérum que tu as pris. Il nous aidera. Alors allons-y. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Estime-toi heureux. T'auras pas à porter de smoking cette fois-ci. Ils le verront pas venir. Alors là, à l'époque, ça te demandait de changer de CD, de mettre le CD2, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Quand tu avais des jeux qui étaient assez volumineux, comme les Final Fantasy, et en plus, je crois, Final Fantasy 7, tu avais 3 CD, je crois, mais t'avais des jeux parfois qui étaient tellement volumineux, qui tenaient sur plusieurs CD, quoi. C'était juste fou. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. La NSA a fermé le centre d'exposition. Il y a des patrouilles de soldats dans tous les coins. Je vais devoir faire attention. Je voudrais pas tuer des innocents. Tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main ? Reste avec Teresa. Je serai prudent. Attends. Vous avez quelque chose ? Nous préparons la phase finale dans la salle sur la Chine ancienne. Nous avons trouvé des disques de données. Vous voulez y jeter un coup d'œil ? J'arrive. Vous, montez la garde ici. Holman prétend qu'il n'a donné aucune information à Axine, mais je ne crois pas. Logan pourrait se pointer ce soir. Bien, monsieur. Évitez que les troufions de l'armée ne vous voient. Notre opération doit rester secrète. Nous n'avons pas besoin d'un conflit de juridiction avec la NSA. Trop tard, je suis là. Selon les informations de Lian, Fagan a caché son disque de code de cryptage dans le centre d'Expo Farcom. Morgan veut récupérer ce disque, installer une charge de C4 pour détourner l'attention des gardes et reprendre le disque. Au besoin, utilisez les conduits d'aération pour atteindre l'objectif. Le centre d'expo Farcom a été fermé par la NSA dans le cadre de l'enquête sur l'implication du Fagan. De Fagan dans les actes de terrorisme à Washington. Des soldats transfèrent les objets exposés dans des entrepôts du gouvernement. Évitez d'être repéré par ces soldats. Neutralisez-les, au moins avec l'arbalète ou le taser. Je peux me le faire au silencieux ou pas ? On est habillé en mode ninja là. C'est Sam Fisher. Ok, je suis repéré, super. Bon, par là c'est mort. Si je passe par là, à votre avis. Là c'est mort aussi, d'accord. Ah non, mais je peux me les faire quand même. C'est moi. Bon, ça va, si on est pas obligé d'être furtif. Enfin, on va l'être quand même, mais
Au moins, si je me fais repérer, ça met pas fin à la mission, c'est le principal. Logan est dans le bâtiment, envoyez des renforts. Putain, je lui ai mis deux balles dans le cul. Ah oui, mais je le connais cet endroit. Dans le 1, on le fait, mais faut être en mode furtif. Et si tu te fais repérer, t'as perdu. Et là, j'appuie sur le carré, ça marche pas, putain. Mais attendez, non mais... Là pareil, là, je bourrine carré, ça tire pas, mais c'est quoi cette merde? Putain, y a de l'ennemi. Attendez, on va recommencer. Non mais c'est une blague. Lui il a bouffé. Toi tu vas montrer ton faciès. Je vous vois les mecs hein. Galion, on voit le bout de son canon à lui là. Dans la bouche. Il n'y a pas une petite caisse là? Culé! Descends! Comment tu les fumes? Bon, par contre, j'espère que ça sera pas aussi chiant que dans le premier jeu, parce que ce niveau-là dans le premier jeu, il est. Je commençais déjà à regarder des solus parce que. Il y a des moments où je comprenais rien.
Putain, je peux pas aller là. Putain, mais c'est une blague. Déjà, comment le mec a fait pour me voir? Mais comment le mec fait pour te voir? Non mais. T'as des fois c'est incompréhensible. D'accord. Mais là, je peux pas descendre, là. Ça tue, ça ? Non, c'est bon. L'arbalète ne tue pas. Steiner n'a pas fait son rap. Putain de merde. Steiner n'a pas fait son rapport. On va jeter un coup d'œil. Il y a un problème. Appelle le contrôle et dis-leur qu'on a un intrus. Il y a trop d'interférences ici, je sors pour appeler. Je vais inspecter les alentours. Ok, faut que je prenne mon arbalète. Quoi. Attendez, parce que du coup lui on est pas obligé de le buter lui. Mais pardon, mais... Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, viens jeter un coup d'œil à ça. Elle est bonne. C'est le numéro du mois dernier. Je crois que ça manquera à quelqu'un. Qui c'est? Putain, mais... C'est... C'est le numéro du mois dernier? Ouais. Tu crois que ça manquera à quelqu'un? Est-ce que vous pensez que le taser, ça les tue? On peut les taser. Sensuel okay. Magazine. C'est pour ça qu'il a dit elle est bonne. Elle est bonne. Putain, mais non, mais... T'es obligé de connaître le truc par cœur pour savoir où sont placés les ennemis, quoi.
Mais là, pareil, mais ce niveau-là... J'en ai des souvenirs. Non, mais descends pas! Pourquoi tu descends, enculé? C'est une vaste blague. Il va revenir du coup là. T'as la gueule des ennemis quoi. Je vais te taser la gueule, tu t'es même pas au courant. Logan se prend pour un rat. Envoyez des hommes là-dedans. Logan se prend pour un rat. C'est bon. Tire, putain, j'appuie sur carré. Mais mon dieu. Attendez, je vais passer par où là? J'ai prise pour rapport. Répondez. Vous m'en sauvez? Dans la tête. Il va revenir là, il revient. Attendez, on va recommencer parce que... On va recommencer. Il y a encore un mec en bas là. Super. Je t'entends guignol. Des fois il s'arrête de tirer, mais pourquoi il s'arrête de tirer? Tu sais, je maintiens carré, il tire et il s'arrête. Là il tire pas. Putain, incroyable. Sûr.
là il me faut vraiment des... Putain, il y avait un mec là. Non mais putain, mais les développeurs, sérieusement quoi. Quand je vous dis qu'il faut vraiment connaître les niveaux par cœur pour... Rian, j'installe le leurre. Tiens-toi prête à l'activer. Il y a une tempête dehors. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là ? Dans cette section. Le sujet. Là, je vais crever là. Non mais c'est sûr. C'était sûr. Il est mort. Il est mort, parfait. Du coup. Il est bizarre le niveau là parce qu'il est mi-infiltration, mi-action, c'est bizarre. On ramassera vos morceaux, Logan. Oh putain, mais ça faut le savoir ça. On ramassera vos morceaux, Logan. On ramassera vos morceaux, Logan. La gueule des musiques.
Mais... Fais chier, quoi. Merde. Ok. Ça va, on avance bien quand même. L'électricité a été coupée dans toute cette section du bâtiment et nous sommes censés monter la garde pendant qu'ils règlent le problème. Mais qu'est-ce qui a pu faire sauter les plombs ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? C'est pas moi. Mais comment le mec me voit, bordel ? Et sortez vos lunettes infrarouges. Bon, ça me tire dessus, ça c'est ennemi ça. D'accord, super. Les mecs ont des lunettes infrarouges. Ça rigole plus là. Bon là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Il faut que j'aille là-bas. Je crois. Hein. Oui, Logan, oui. Attention, là c'est le jump précis là. Ok, fin du niveau, dernier numéro, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Je suis dans la salle sur la Chine. La diversion est prête ? Oui. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Logan. Chargez-vous de lui. Et les explosifs ? Je vais m'en occuper, obéissez. Court-circuite les portes. Vous êtes tout seul, Morgan. Maintenant, c'est entre vous et moi. Rendez-vous, Logan. Stevens veut vous voir. Il veut négocier avec vous et Li Yangxing. Je sais ce que veut Stevens. Vous aviez Lian et vous l'avez perdu. Vous avez toujours été un mauvais, Morgan. C'est ce qu'on va voir. C'est tout vu.
Attends, c'est un ennemi là ? Morgan a récupéré le disque de cryptage. Il est en train d'installer des explosifs dans la salle d'exposition sur la Chine. S'ils explosent, tout le bâtiment s'effondrera. Vous devez trouver un moyen de désamorcer les explosifs et de reprendre le disque à Morgan. Cependant, Morgan est muni d'un détonateur post-mortem. S'il le lâche, toute bombe amorcée explosera. Ne le tuez pas avant d'être sûr d'avoir désamorcé toutes les bombes. Et ah putain. Bon et bah du coup les mecs, je vous dis à tout à l'heure pour voir la prochaine. Portez-vous bien, salut tout le monde.